Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année pour faire un changement, mais tout simplement besoin d'un lundi. Et aujourd'hui est idéal pour faire le premier pas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine qui s'annonce bien pour vous, je l'espère. Au grand marché de Boisquet, les commerçants ambulants ou installés sur le trottoir ont reçu la visite des agents de la mairie. Pas pour une discussion amicale, mais plutôt pour une opération de déguerpissement, emportant avec eux une partie de leurs marchandises. En effet, ces commerçants ne disposent pas de place fixe au sein du marché pour la vente de leurs articles. Cédric Amani était sur les lieux. La situation est cocasse au grand marché de Boisquet. Jassaman et vendeur de rue se disent persécutés par les agents de la mairie qui ne les laissent pas faire leur commerce. Ils encombreraient le passage, rendant l'accès difficile aux véhicules. Jaguar et puis Ricky, des Jassaman, nous en disent un peu plus sur cette situation qui les excède au plus haut point. Le marché est lent, mais la mairie, on ne se retrouve pas. On veut vendre et cherche à nous détruire. Nous, on ne peut pas comprendre. Si elle veut venir, elle veut qu'on en fasse quoi? On vend devant, elle dit que non. On la vend derrière. On vend derrière aussi, ils viennent ramasser nos bagages. On est ici aussi, ça ne va pas. Tout le marché, tu dis prix de bagages, prix d'habits. Tu dis habits c'est 1000 francs, ils vont dire qu'ils ont 800. Même si tu dis que tu as 800, ils vont dire qu'ils ont 700. Tout ce que tu as dit, ils ont, le client a quelque chose à dire dessus. On a cassé nos balles. Quand on a cassé les balles, en même temps, la pluie est venue, on a abrégé un peu. Quand on a placé, en même temps, ils sont venus ramasser, ils sont partis. Bon, le reste est resté là-bas. Nous, ben, balles là, c'est 180 000, ils sont grands. Mais nous on casse et puis on vend, et puis c'est ça, là, on fait notre diable. Maintenant, la mairie, nous on est fatigué de eux. Maintenant, c'est qu'ils veulent que quand on aura fait là, ils n'ont qu'à dire nous on fait. Ou bien soit on s'assoit à la maison, ils vont nous donner là. Ou soit on a qu'à aller voler et puis on ne va pas nous attraper là. C'est la réponse seulement que moi attends. Donc voilà, là, qui doit faire quoi? Qui doit être conciliant? Le maire qui veut mettre de l'ordre ou bien les commerçants qui n'ont pas de place fixe? En tout cas, lui qui a la solution là, il n'a qu'à vite parler. On paye la redevance à la RTI, mais on n'a pas de bonne qualité d'image. Ce sont des propos extraits de l'interview de Cissé Moussa, logisticien de formation et consommateur de la radiodiffusion télévision ivoirienne. A noter que la chaîne nationale est beaucoup critiquée en ce qui concerne la netteté d'image, surtout lors de compétitions sportives. Radio-télévision ivoirienne, en abrégé RTI, fait-il toujours la fierté des Ivoiriens en qualité d'image et de programme? C'est pour répondre à cette question que nous sommes rendus à Bobo Avocati pour rencontrer M. Cissé Moussa, logisticien de formation, qui nous donnera ses impressions. Écoutons-le. Avec la RTI, il faut dire que la RTI, c'est toujours du réchauffé. Voilà, avec la RTI, c'est toujours du réchauffé. Pourquoi je le dis? Parce que c'est toujours les mêmes programmes. Quand tu regardes le programme de la RTI depuis 2010, ah, peut-être aujourd'hui, c'est toujours le même programme. Il n'y a pas de programme alléchant par rapport à d'autres programmes tels que peut-être les NCI, les live TV et consorts. Parce que là, la population même se sent là-dedans. Mais quand tu prends la RTI aujourd'hui, quand tu allumes, c'est sous le haut patronage. Bon, à tout moment, à longueur de journée, sous le haut patronage. Donc, on ne se sent pas maintenant en tant que population, on ne se sent plus en cette chaîne-là. Bon, pour ne pas dire que cette chaîne est beaucoup politisée maintenant. Mais en dehors de ça, il y a aussi le problème est qu'on paye les redevances à la RTI, mais on n'a même pas de bonne qualité de l'image. Quand il n'y a pas de bonne qualité de l'image, on regarde un peu avec l'image. Quand Côte d'Ivoire peut-être joue, par exemple, mais quand tu vois les images, tu as l'impression que c'est avec un techno ou bien peut-être un itel qu'on fait la diffusion, mais ce n'est pas intéressant. Donc essayez de voir voilà, sur cet aspect-là. Pour des raisons d'hygiène et de santé, une partie de la population préfère utiliser de l'eau minérale pour leur nutrition. C'est le cas de Diomandé Mohamed qui, parmi la variété de marques d'eau minérale, a choisi Holgan. On écoute les raisons de son choix dans ce reportage. C'est vrai que l'eau des robinets est selon la société filtrée, mais nous-mêmes là, on voit la réalité. Souvent même ça devient sombre comme ça, tu as dit Tomidji. Heureusement qu'actuellement, les McDo là sont là pour nous sauver la vie. À tout bas ici, on a vu le père Diomandé Mohamed. Lui là, c'est l'eau Holgan il boit. Écoutez les raisons. Bon, ça me fait au moins 5 ans comme ça. 5 ans comme ça, j'étudie ça. Quelles sont les raisons? Bon, il peut dire aussi pour une raison de santé, bah, puisque l'eau qu'on boit,
Vous avez dit l'eau qu'on boit naturellement, comme à la maison, comme ça. Mais souvent, le goût n'est pas trop ça. Donc, on est obligé de payer ça pour avoir la santé. Beaucoup de fois aussi, bon, dans notre déplacement, on paye ça aussi. On peut payer ça jusqu'à les douzaines comme ça. Moi, il y a des trucs non, et qu'on appelle l'eau organe là, c'est bon. Ouais, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est parce que c'est propre, c'est parce que c'est propre. Merci, chers internautes, d'avoir suivi l'actualité sur Pépé Soupe, excellent lundi de Pentecôte. Rendez-vous demain, 20h.